accueillir une personnalité qu'on a découvert sur ces deux ou trois dernières années dans le cadre des événements. Il nous a fait deux surprises. La première, il est venu, souvenez-vous, fin juillet, je crois que c'était le 31 juillet, organisé par Homeprod, un événement à l'U-Arena à la Défense. Il l'a gagné. La deuxième grosse surprise, c'est que ce matin, c'était pas lui à la base qui devait danser. Il a pris au pied levé la place d'un danseur. Il m'a répondu OK contre n'importe qui. Représente, si je dis pas de bêtises, Madagascar de mémoire. J'aurais qu'on fasse un maximum de bruit s'il vous plaît pour l'homme qu'on appelle B-Boy P.A. Street Smile. Face à lui, dans les années 60, on les appelait les Nord-Africains. Représente la ville de Fès. Représente les Lions de l'Atlas. Le Maroc est parmi nous. Le groupe s'appelle, je vais essayer de le dire en arabe, mais c'est pas facile, El Mouhaidine. Et c'était pas facile. Je vais s'entraîner pendant une semaine pour y arriver. Faites un maximum de bruit pour l'homme de la belle, B-Boy Tracy's. Maroc, la France, le public, dernier battle, quart de finale, 1-1 B-Boy, et ça fait clap, clap, clap. On y est, Notorious Break. Allez, c'est la fin. C'est déjà représente Madagascar. Un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. P.A.
Face à lui, le Maroc. B-Boy Crisis. Il n'en restera qu'un. The Judge. 3, 2, 1. On passe à la suite, 104.